open to me now. Now that we're talking about the seed and the soul and all that. And then it struck me, is the dream that I got. You remember the dream I got last year? To go to preach on temperance with the church, being in this eating place and so on. And the Holy Spirit showed me that I must preach from temperance onwards. And then in the dream, my God, this is now coming to me now. Because in the dream, I had my plate, and I put some things on my plate from the eating. And I took that as, this is what I'm going to eat. But afterwards, I saw that there was much more food that I didn't take. But I felt in obedience to the Spirit to preach from temperance onward last year. So when I started to get this now, it just struck me, and not even that part that I just told you struck me, but it struck me, is that vision for now? And as I'm seeing it, here comes this understanding that my plate wasn't yet full. So God is actually on the spot confirming that I have to do that. I have to get into the virtues in the not too distant future. And it's what a time to get into the virtues. Because how else are we to be driven to God? It's a definite prophecy. You can't get around it. We are to be driven to Calvary, then to the rapture. Nous devons être conduits au calvaire et ensuite Amen. À l'enlèvement. Somebody have to identify it. Quelqu'un doit l'identifier. Amen. All right. Now, let's stand. Glory. Tenons-nous debout maintenant. Let's go to Revelation 5. We'll read it from verses 1 to 10. Et allons dans Apocalypse 5. Nous allons lire les versets 1 à 10. Picking up something and I don't know where it's. Anyway, let's just preach the word and God will do the rest. Prêchons la parole et Dieu fera le reste. Amen. Revelation 5. Apocalypse 5. Hallelujah. And I saw in the right hand of him that sat on the throne. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au dedans et au dehors scellé de sept sceaux. C'était le Dieu, c'était Elohim. Dieu a dit à frère Coleman que le livre est en deux parties, Elohim et le Logos. Hallelujah. But Louis was talking a lot about that, and I saw a strong angel. Sealed with seven seals, written within, that's the Logos. And the backside sealed with seven seals, donc, that's sur Elohim. Le dos, c'était scellé de sept sceaux, c'était Elohim. And I saw a strong angel proclaiming et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte qui a digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi je pleurais beaucoup de ce que personne n'avait trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu Judas, le rejeton de David, a prévalu pour ouvrir le livre. Et en délier les sept sceaux. Et je regardais, et au milieu du trône et des quatre animaux, se tenait un agneau comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ainsi, vous voyez les sept esprits venant au travers du sang. Et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il prit le livre, les quatre animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu étais immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu nous as fait roi et sacrificateur à notre Dieu et nous régnerons sur la terre. Le Seigneur ajoute ta bénédiction à l'écriture de sa parole. Est-ce que j'ai accueilli frère Joël et sa famille après le repos bien mérité? Ils ont eu un repos pendant la semaine à Tobago. Glory to God. So we welcome them back as well. Ainsi, nous leur souhaitons la bienvenue de retour. Is faced with two long trips to Kenya. Il a deux voyages, so pray for him. En vue we'll be having him speak au Kenya to us et en Argentine in about two et il doit weeks time. Prêcher pour nous dans you deux semaines. Most likely be rounding off the PM messages by Sunday with Brother Ben Ashut.
Et nous allons terminer les messages de Penaris bientôt. J'ai un titre. L'agneau sanglant restaure notre condition originelle par l'ouverture de la parole. Et une inspiration pour ton expérience du calvaire à la fin du septième saut. Oh, glory. Gloire. So just to bring back something I was expressing last time I spoke here. Quelque chose que j'ai exprimé la dernière fois où j'étais ici, dans l'unité. Maintenant, ne voyez-vous pas le grand tableau? Nous, dans la chair, nous sommes différents. Nous sommes comme un produit annexe, un être créé par un saint mariage. Mais en esprit, nous sommes fils et filles. Pas un autre esprit. Nous avons un aspect différent, un arrière-plan différent, et né à différentes périodes. Extended to the whole world, different et si on étend ça aux différents mondes, dans les différentes langues, etc. And that's just the difference in flesh. Ce sont des différences dans la chair. Really, mais en fait, nous sommes un. Car nous sommes tous des attributs of one spirit. D'un seul esprit. Glory to God. Gloire à Dieu. These differences is like a veil, donc, like an illusion. C'est comme un voile, c'est comme une illusion. Oh, glory to God. We are in his likeness. Nous sommes à sa ressemblance. Not some other spirit, but the spirit of the living God. Pas un autre esprit, mais l'esprit du Dieu vivant. Nous sommes à sa ressemblance, dans son unité, à l'image parfaite du Dieu vivant. Parce que nous devenons fils et filles. Pas séparés, mais le même esprit, le même Dieu. Voyez-vous, le même Dieu. La même personne. Joined in wedlock to the eternal. What's wrong with saying I'm Holy Spirit? À l'éternel. Qu'y a-t-il de mal à dire que nous sommes le Saint-Esprit? C'est ce qu'il dit là. Il dit exactement cela. Voyez-vous comment Dieu l'a planifié? Afin que nous ne soyons pas différents, mais que nous soyons lui. Lui. Et si je dis à nouveau, quel est le tort de dire que nous sommes le Saint-Esprit? Of some other tribe, pas notre être d'une autre tribu, mais une véritable union, la postérité du Tout-Puissant. Quelqu'un a dit qu'ils avaient lu 600 brochures du prophète et ils n'ont pas encore trouvé que nous sommes le Saint-Esprit. Je viens de lire une seule citation et je le vois deux fois. Done by a holy union. Now the body par comes from union, mother and father, but the spirit de la mère, comes from l'esprit God. Vient de Dieu. God separating Dieu himself. Qui se sépare lui-même. As Adam was separated. Comme Adam a été séparé. So all this difference is just God separating himself. That's all. Dieu He's a God of variety. Voilà tout. C'est un Dieu de variété. Il aime la variété. Glory. Wow. One sunlight, many colors. Comme plusieurs so God couleurs. Had a law of reproduction Dieu avait une loi de reproduction en lui. To break up himself like that, then. Pour se to reproduce himself cela, in the form of sons and daughters. Sous la forme de he fils was a et filles. By il était un père par attribut. So he must have children. C'est pourquoi il doit avoir des enfants. So just as you were in the genes of your father vous étiez dans les gènes de votre père avant de naître, so nous étions dans les pensées gènes de Dieu avant de venir sur la terre. And he expressed all his attributes et il a exprimé tous ses attributes dans une seule personne. The logos that came out of him. Le logos qui est sorti de lui. The gene thoughts of les our pensées gènes de notre père Elohim became word seeds sont devenues des semences paroles dans le logos. Glory! Wow. All part of the same being. Tous la forme partie du même être, des pensées en Elohim, logos. Des semences paroles same dans le logos, being. Le même être. Not another different, but him. Pas quelqu'un de différent, mais lui. We are one. Nous sommes un. That's what they said on the other side. Voilà ce qu'ils disent de l'autre côté. Hallelujah! Oh, how we get to know who we are. Oh, nous entrons dans la connaissance de qui questions nous sommes. And answers. Now, this la question réponse that maintenant, was ce Logos qui était en lui, God, qui était l'Esprit de Dieu, l'onction, par la grâce sanctifiante du sang, a amené beaucoup de fils à Dieu, loin du même Logos. Now, maintenant, le jour de la Pentecôte, il est descendu, cette colonne de feu, like that, et s'est divisé comme cela, et des langues de feu se sont établies sur chacun d'eux. Un groupe élu, sélectionné, identifié par cette colonne de feu,
apprend que Dieu s'était séparé lui-même dans l'homme. Est-ce que vous le saisissez, dit le prophète? Il y en a qui ne le comprennent pas. Ils ont lu autant de brochures et ils ne le comprennent pas. Mais le prophète dit, est-ce que vous le saisissez? Dieu, le Logos, se séparant lui-même dans des hommes. C'est un autre livre. Et je l'ai reçu là dans une seule citation. Deux brochures. Lorsque Elohim a dit au Logos, faisons l'homme à notre image, he put his own law of il a mis sa propre loi de reproduction dans l'homme to reproduce after his kind, de se reproduire selon son espèce after himself, qui était lui-même deity, la déité. Be fruitful, soyez féconds, multiply, multipliez and replenish the earth. Et remplissez la terre. So it came from Elohim to Logos, c'est venu d'Elohim au Logos, à l'homme, to reproduce deity pour reproduire la déité in flesh. Dans la chair. Same one spirit. Le même esprit. Man was put in l'homme flesh, fut mis dans a la chair, mammal creature, une créature mammifère, pour travailler la terre, to make contact with pour avoir earth, contact avec and la terre, over the animal. Et régner sur les animaux. Glory to God. Gloire à Dieu. What a far cry, eh? Some people don't even like animals. Oui, des gens qui le voient comme un animal. Ce n'est pas pour tout le monde ici, non, je ne sais pas comment. Oh, hallelujah. C'est pas pourquoi but man's species was not mammal. L'espèce de l'homme n'était pas mammifère. It was nothing short of ce n'était rien de moins que la déité. As we heard on Thursday, comme nous l'avons entendu jeudi. And he was to reproduce et deity il devait in reproduire flesh. La déité dans la chair. That's your commission. C'est votre commission. To reproduce de vous reproduire, deity de reproduire la déité in flesh. Dans la chair. This is from the Kongdong. Dans le compte à rebours. Now I read this quote. I'd send this quote to Brother Blue. Je l'avais envoyé à Frère Blue et il a été béni par cela parce qu'il était sur cette inspiration. And really I remember this quote. Et je me suis souvenu de cette citation. Because when I first come into the message, just out of power, dans le message la première fois, je sortais de l'autorité noire, mon leader, qui est maintenant Makanda. And no, I mean, it was serious at that time. Non, c'est sérieux à ce moment-là, c'était pas amen. Une plaisanterie. So I had this book, the Kongdong. Donc j'avais just come into the message. Cette brochure, je venais d'arriver dans but le message. J'avais see him and sit down and let him know. Je voulais lui faire listen, savoir no longer with the movement que je n'allais plus know. Suivre ce mouvement. La puissance I'm noire. Et je disais que je suis. Je voulais lui dire que je but suis ce message. Mais je disais maintenant, je ne peux pas dire à cet homme Branham, que je suis Frère Branham qui est un homme blanc. But I remember that Brother Branham has a lot of Cherokee Indian in him. Frère Branham avait du sang indien Cherokee en lui du côté de sa grand-mère. So said, donc j'ai dit, je vais lui dire, il y a un prophète qui était à moitié Cherokee et à moitié blanc. Donc ça pouvait l'atteindre plus facilement. So I did that, donc j'ai fait cela. And I had the book in my hand. J'avais la brochure en main. So he just took donc, the book from my hand. Il a pris la brochure de ma main. Donc je lui ai parlé du message. No, I was telling him how we believe je lui disais comment nous croyons. That man in, I told him je lui ai dit, believe in a pyramid message. C'est un message de la pyramide, parce que in those cases. Dans ces cas-là, c'est intéressant because parce que c'est la pyramide vient d'Afrique. You don't know how to talk. Vous devez savoir comment parler. Amen. So I said, and the pyramid is like faith, la pyramide, virtue, c'est comme la foi, la vertu. Je lui disais toutes les vertus. So he rocked back. Donc il était said, projeté en arrière, il a dit, répète ça. Had his beard and everything. Il avait sa barbe et tout. So I said, faith, dit, faith, la foi, virtue, oui, la foi, virtue, la vertu, knowledge, la connaissance, la connaissance. Il fermait les yeux, il méditait là-dessus. That's good. Il disait, c'est bon. So, he took the book from me and opened it. Il a pris la brochure, il l'a ouverte, et il l'a ouverte sur sa citation que je viens de donner à Frère Blewitt. Voilà la citation. Now this logos that was in him, ce logos qui était en lui, God, l'Esprit de Dieu, the anointing, l'onction, through the sanctifying grace of the par la blood, grâce sanctifiante many du sang, sons of God, a amené beaucoup de fils à Dieu, with the same logos. Ouais, du même logos. But I think it's this part of the quote now.
Voici la colonne de Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte, il est descendu la colonne de feu et s'est séparé comme cela. Et des langues de feu se sont établies sur chacun d'eux. Un groupe élu, sélectionné, identifié par la colonne de feu, montrant que Dieu s'était séparé dans l'homme. Est-ce que vous le saisissez? Dieu, le Logos, se séparant lui-même dans des hommes. Je ne suis pas encore arrivé à la citation. C'est un petit peu plus bas. Mais je vais y arriver bientôt. Et je vais vous dire comment il a répondu. Lorsque Elohim a dit au Logos, faisons l'homme à notre image, il a mis sa propre loi de reproduction à l'homme pour se reproduire selon son espèce qui était selon lui-même. Amen. Okay. Okay. All right, this is the quote here. Voilà la citation ici. He started reflecting the smaller things such as the animal life. Choses, la vie animale. And then the next thing ensuite, he created was something different. Il a créé, c'était différent. That's exactly the way the Bible says he did. La Bible, comme il l'a fait. He made first the tout d'abord, il a fait trees les arbres et la vie botanique. And he made man. Et puis il a fait l'homme. And then the last et ensuite, thing that ever come from the earth in the form of creation was a man. La forme de la création était nothing higher ever come. Rien de plus élevé n'est jamais venu. Pourquoi? Parce que c'était un reflet parfait de ce qu'il y a de plus haut dans le ciel. Et Dieu est un homme. Donc, il est en train de me dire ça. Dieu est un homme. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Oui. Dieu est un homme. Il aimait ça. C'est pourquoi ça prouve la chose. Et lorsque Dieu est descendu pour demeurer parmi nous, il était un homme, voyez-vous. Un homme. Donc, ça montre que la perfection de l'évolution était Dieu, ce qui est un homme. I like that. J'aime ça, j'aime ça. Amen. So we left friendly. Donc nous sommes quittés amis. But afterwards he was saying that Nathan gone and joined some Jim Jones kind of. Il a dit que frère Nathan avait rejoint Jim Jones quelque chose oh comme boy. Ça. Anyway, oh mon gars. So in creating man in his own image, he finally got the creation to reflect himself. Il a obtenu que la création sa propre loi de reproduction de l'homme afin qu'il puisse être reproduit dans sa propre création comme des fils et des filles. But being in an animal body, mais étant dans un corps animal, l'homme avait une nature double. Et il lui fut donné le choix de se reproduire selon la voie animale ou la voie de Dieu, par la parole parlée. So the man went the ainsi, animal l'homme way. A suivi la voie animale. So that crossed the seed. Donc, cela a croisé and la semence hybrid, et a produit quelque like chose d'hybride, comme une mule, voyez-vous, le croisement entre un cheval et un âne. Donc ce que cela a fait, c'est que ça a brisé l'alliance, ce qui était l'accord que Dieu avait avec l'homme, after his kind, de se reproduire selon son espèce, which is deity, qui est la déité, voilà ce qu'il était censé animal. Reproduire, pas l'animal. And it was the Genesis 2 man et that c'était l'homme it. De Genèse 2 qui a brisé cela, the flesh man. L'homme de chair. So the Genesis 2 man ainsi, l'homme de Genèse 2 a contourné the Genesis 1 man. L'homme de Genèse 1, the theophany man. L'homme théophanie, which is, was deity. Qui était la déité, autrement dit, Adam, l'homme de Genèse 2, amen. Bypasses a contourné sa théophanie, the Genesis 1, l'homme de Genèse 1. Adam, the name Adam is found in Genesis 1:26, but it means human beings or Genèse humankind. Genèse 1:26, des êtres humains, ou selon l'espèce humaine. The name Adam mais as il a donné specific le nom person Adam comme une personne spécifique dans Genèse 2. So Adam, the man donc Adam, Adam l'homme Adam. He bypasses theophany. Il a contourné sa théophanie, l'homme de Genèse 1. So in his flesh, dans he sa was chair, hybridized. Il a été hybridé parce que l'homme de chair God's flesh, était censé être la chair de God's Dieu, house on earth. La maison de Dieu sur la terre. That's what the flesh man was meant to be. Voilà ce que c'était that's censé what être. Meant to be. Voilà ce que vous étiez censé être. God's flesh on earth. La chair de Dieu sur la terre. So death struck ainsi, la mort the flesh man a frappé l'homme de chair avec son esprit animal, le nefesh. So the flesh ainsi, became la chair subject est devenue realm, sujette à la sphère démoniaque au moyen des tentations, disease, de la maladie, and death des maladies et de la mort elle-même. So the Genesis 1 ainsi, man was l'homme bound. De Genèse 1 était lié. He was trapped in a fallen Genesis 2 man. Là dans cet homme de Genèse 2. Genesis 1 man was still there as a seed in the soul. Était encore là comme une semence dans l'âme, mais lié. The prophet said dark clouds came over the attribute. Les nuages sombres sont venus sur l'attribut. It was mad, he said. Fut gâché, dit-il. Les nuages devaient être retirés. So the attribute afin could display que l'attribut puisse se manifester. And that's what Jesus died to do. Et voilà ce pourquoi Jésus to est mort. Bring out that seed germ in you, pour faire sortir ce germe semence en vous. So the attribute could display afin itself. Que l'attribut puisse se manifester. You could be who you really are. Être who you were really qui vous êtes réellement censé être.
Gloire. Maintenant, nous ne parlons pas de la semence des serpents ici. Ils n'ont pas de semence dans l'âme. L'espace pour une âme, mais ils n'ont pas d'âme, pas de germe-semence, autrement dit, germe-semence de Dieu. Avant la chute, la déité dans l'homme mammifère a placé un voile saint autour de la partie animale. Hallelujah! Le corps était sa maison, pas un autre esprit, mais lui-même. Projetant un voile saint autour de la chair. Il était nu et n'en avait pas honte. Un voile saint. Hallelujah! Hallelujah! Glory! But the holy veil was mais le voile saint fut découvert par la séduction de l'ennemi. The subtlety of the serpent, the subtle, the word for subtlety in Hebrew. Have the meaning en hébreu, of to uncover. Ça a la signification de découvrir. Amen. Sometimes it's really nice to check the Hebrew because donc c'est intéressant de voir en hébreu parce que ça apporte la signification. La signification. So that's why they were naked. Ça veut dire they felt ashamed when they saw voilà they were pourquoi. Naked. Quand ils avaient honte quand ils ont vu qu'ils étaient découverts. Holy qu'ils étaient nus. Le voile saint avait été découvert. By the subtlety, the par la subtilité, of la tromperie du serpent. Amen. So Bakoman said the holy veil went up. C'est que le voile saint est monté et que le voile de convoitise est descendu. And that's how we became subject to the enemy. C'est ainsi que nous sommes devenus sujets à l'ennemi. We are tempted when we are led away of our own lusts and enticed. Nous sommes emportés par nos propres convoitises et séduits. That's what James said. And lust is a strong desire for something. La convoitise est un fort désir pour quelque chose. C'est pas seulement la desire for fame, desire for vain glory, mais de voir des vaines gloires, des désirs pour l'argent, des désirs forts, d'être quelqu'un. They don't praise me. They clap for everybody, but they don't clap for me. On applaudit tout le monde, mais on ne m'applaudit pas. Lust, la convoitise de quelque chose. But blessed are the meek. Mais bénis sont les doux. For they shall inherit the earth. Car ils hériteront la terre. Not blessed are they who get clap. Pas bénis sont ceux qui sont applaudis. And who get acknowledgement. Et ceux qui sont reconnus. Blessed are the meek. Mais bénis sont les doux et les humbles. Learn of me, I am meek. Apprenez de moi, je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. For my yoke is easy. Car mon joug est aisé. I'm not troubled by fame and glory and je suis pas troublé par la gloire, la reconnaissance, qui est mon ami, qui n'est pas mon ami, I'm not troubled by any of these things. Toutes ces choses ne me troublent pas. My yoke is easy. Mon joug est aisé. And my burden is light. Et mon fardeau léger. I don't want to wear that as a burden, boy. What a good thing. Je ne veux pas porter ce fardeau et my qu'est-ce qu'il pense, et bonté divine. Et the school my son passed for, oh my God. All these kind of toutes ces choses worldly things mondaines troubling your mind. Qui troublent votre esprit. See, the Holy Spirit pause me here, you know. Le Saint-Esprit me fait faire une pause là. Hallelujah. Amen. Burdensome. I will get through. They would think, amen. Sous des fardeaux. Oh gosh, if they only see the house qu'est-ce I'm living vont penser, in, my God. S'ils voyaient la maison dans laquelle amen. Je vis. Jesus didn't have those burdens. Jésus n'avait pas ces fardeaux-là. He said, the birds of the air have nests. Il a dit, les oiseaux the ont des nids. Foxes have holes. Et les renards des tanières. Mais le Fils de l'homme. I don't know. I don't know. Wear that as a burden, boy. What a good thing. Oh gosh. Je ne vais pas porter tous ces fardeaux et bonté. The school my son passed for. Oh my God. All these kind of worldly things. Toutes les choses mondaines. Troubling your mind. Qui troublent votre esprit. See, the Holy Spirit paused me here, you know. Oui, le Saint-Esprit me fait faire une pause là. Hallelujah. Amen. Burdensome. Être sous des fardeaux. Think, comment est-ce que je vais y arriver? Oh, s'ils voyaient seulement la maison où je vis, mon amen. Dieu. Jesus didn't have those burdens. Jésus n'avait pas tous ces he fardeaux. Said, the birds of the air have nests. Il a dit, the foxes have holes. Les oiseaux ont des nids but et les renards des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. My yoke is easy. Mon joug est and aisé. My burden is light. Et mon fardeau léger. Learn of me. Apprenez de moi. Learn of me. Apprenez de moi.
For my yoke is easy and my burden is light. Car mon joug est aisé, mon fardeau léger. Je suis doux et humble de cœur. To be like Jesus. Être comme Jésus. Sing it and mean it. Oui, vous chantez-le et pensez ce que vous dites. Oh, glory! I'm not saying that you have to live any old house. Je ne dis pas que vous devez vivre dans une vieille cabane. Si Dieu vous bénit avec une maison ou quoi que ce soit. Mais ne soyez pas attaché. N'entrez pas dans ces choses comme si c'était votre vie. C'est l'homme empirique qui vit par observation. Hallelujah! And things that he owns, et des choses qu'il possède ou qu'il pense posséder. Car vous êtes seulement des gardiens. That you have on earth. Des gardiens des choses they que vous avez sur la terre. Elles ne vous appartiennent pas. Hallelujah. Alléluia. You're a steward of these things. Vous êtes gardien de ces choses. Amen. And time is coming. Et le temps vient when you have to give an account où vous devrez rendre compte de votre gardiennage. Ouf, how did I get over there? Oh, glory. Gloire. Hallelujah. My God. Mon Dieu. Amen, amen, amen. How did, praise God. Glory. Yes, sir. Yes, lust, you see? La convoitise. That strong desire for something. Des désirs forts pour quelque chose. Amen. That's a Genesis 2 man. Always troubled, always worried. Toujours dans les problèmes, toujours dans les inquiétudes, ceci et cela et cela. So the apostle James said, lust conceives. And brings forth sin. La convoitise conçoit et amène le péché, l'incrédulité. Losing your cool, losing your temper, fussing about it. Perdez votre tempérament, faites des histoires. In the realm of unbelief. Vous êtes dans la sphère d'incrédulité. Ayez confiance en Dieu. And that brings forth death. Et alors tout cela amène la mort. So that's how the law of sin and death operates. Voilà comment in this Genesis 2, la loi du péché de la mort dans cet homme hybride de Genèse 2. La loi du péché de la mort dans nos membres. Now Adam and Eve were under maintenant Adam et Ève étaient sous une alliance conditionnelle. Both parties had a part les to play. Deux parties avaient leur rôle à jouer. Et s'ils n'accomplissaient pas leur part, alors l'alliance and était brisée. Et l'homme a manqué de garder sa part, la reproduction par la parole parlée. He said God made il the same kind Dieu of covenant with Noah. A fait la même sorte d'alliance avec Noé. Et pendant des années, je ne comprenais pas comment Noé avait reçu la même commission qu'Adam. Et voici la commission. Et Dieu bénit Noé et ses fils. Et il leur dit, soyez féconds et multipliez et remplissez la terre. La même chose qu'Adam. And the fear of you and the dread of you shall be upon every piece et of the la earth. Crainte, and upon every fowl of the air, upon la crainte all that moveth upon the earth. Sur toutes les, and upon les all the de la terre, fishes of the sea, les oiseaux, into your hand already delivered. Les poissons de la mer. Oui, ils avaient reçu la domination. A different season, a different time, mais pour une autre saison, un autre temps, et sous une autre condition, every la domination. Moving thing that liveth shall be meat for you, even as sera la nourriture pour the green herb, tout comme l'herbe. Have I given you all things. Je vous ai donné toutes choses. Comme toute herbe verte. Just as Adam and Eve's comme Adam, was uncovered, la, so was Noah's. La nudité d'Adam et Ève fut découverte. De même, he Noé, drunk and lay naked il a in été tent. Ivre, il s'est enivré et puis il était yeah, nu man, dans la tente. Regardez, and there was le a modèle. Curse upon the serpent. Et il y a eu une malédiction sur le serpent et nous disons qu'il y a eu la malédiction sur la semence de Cam. Parce que Cam avait regardé but la nudité de son père, mais Shem et Japheth ont marché en marche arrière pour le couvrir. Il a dit maudit soit Canaan so, à cause de Cam. Ainsi, l'alliance de Noé fut aussi brisée, tout comme l'alliance avec Adam. Dieu, voyant cela, que l'homme de Genèse 2, hybride, ne pouvait pas garder son alliance. Il a décidé de faire une alliance de grâce, une alliance inconditionnelle avec l'homme. Et voici l'alliance qu'il fit avec Abraham. Qu'on appelle the covenant of grace. L'alliance des grâces abrahamiques. But before I go forward, I want to show you that there are three elements of blessings. Il y a trois éléments de bénédiction that go with the covenant of God, qui accompagnent l'alliance de Dieu, l'alliance abrahamique, whether it's conditional or qu'elle soit conditionnelle ou inconditionnelle. There are three blessings, il y a trois bénédictions or elements, ou éléments, whatever you want to call it, comment vous voulez les appeler, dans cette alliance. There is a blessing il y a of offspring. La bénédiction de la postérité.
Then there's the blessing of the multiplication of offspring, which is descendants. La multiplication de la postérité, ce qui est la descendance. And then there's the blessing of inheritance, la bénédiction de l'héritage, which is usually expressed habituellement as land. Exprimé comme étant if you're taking it down. Le sol, la terre, le pays. No, maintenant, offspring, descendants, la postérité, and land. La descendance et the Abrahamic le pays, comme la bénédiction abrahamique. Adam était la postérité de la déité, et il avait la commission de se multiplier selon son espèce, sa descendance, et lui fut donné l'héritage de la terre. L'héritage, la terre. Remplissez la terre et assujettissez-la et dominez. Donc la domination accompagne l'héritage. La même chose avec Noé, comme nous avons lu, il a parlé à Noé et ses fils, sa postérité, il leur a dit d'être féconds, la descendance, et il leur a donné la domination sur les créatures de la terre, l'héritage, la postérité, la descendance et l'héritage, si vous l'écrivez. Maintenant, avec Abraham, nous voyons les mêmes trois éléments. Il a promis un fils. La postérité. Ils pensaient que ça devait être Ismaël, mais c'est Isaac qui était véritablement un type de Christ. Ensuite, la multiplication de cette semence. Ta semence sera comme les étoiles et comme le sable de la mer, innombrable, la descendance. Il a promis le pays depuis la grande mer jusqu'au fleuve Euphrate. L'héritage, la terre. Voyez-vous les trois éléments, la bénédiction. Alors nous voyons la répétition de la bénédiction de cette alliance après que la vie d'Isaac eut épargné au Mont Moria. Mais pas quelque chose d'ajouté, nous voyons dans Genèse 22:17, certainement je te bénirai et je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les rives de la mer, ta descendance. Et ta semence possédera la porte de tes ennemis. Dieu a ajouté une bénédiction ajoutée là. Il y a deux semences, donc vous devez posséder les portes de l'ennemi. Et en ta semence, toutes les nations de la terre seront bénies, héritage, parce que tu as obéi à ma voix. La voix de Dieu dans les derniers jours. Lorsque les parents de Rebecca ont envoyé pour partir avec Eliezer, ils lui ont transmis les bénédictions de la repentance. Et ils lui ont dit que des milliers, des millions, et que tu puisses posséder la porte de ceux qui te détestent. Mais voyons maintenant, Isaac a béni Jacob au lieu d'Ésaü pour faire passer la bénédiction abrahamique à sa postérité. On peut lire cela dans Genèse 27, 28 à 29. C'est une bonne chose à étudier si vous voulez avoir une étude biblique. Nous ne voyons pas tous les éléments de la bénédiction abrahamique dans le fait qu'Isaac a béni Jacob. And I'm talking here about what they call the stolen blessing. Et je parle ici de cette bénédiction volée. Well, I'll show you something. Je vais vous montrer quelque chose. Offspring and descendants are not mentioned. La postérité et la descendance ne sont pas mentionnées dans cette bénédiction volée. This is in Genesis 27, ceci dans Genèse 27, 29. Let the people serve thee, que les peuples te servent, que les nations s'inclinent devant toi. Sois Seigneur sur tes frères, et que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Maudit celui qui te maudira et bénis celui qui te bénira. Donc ça se relie avec ce qui avait été prophétisé à Abraham, comment toutes les nations de la terre seraient bénies dans ta semence. Et aussi, nous lisons au sujet des fils de sa mère qui s'inclinaient. Maintenant, les frères de Jacob ne se sont pas inclinés devant lui, mais c'est arrivé avec Joseph. Donc c'était une prophétie. Les frères se sont inclinés devant lui, un type de Christ lorsqu'il s'est révélé. Lorsqu'il se révélera aux Juifs, ils vont gémir comme s'il était premier, parce qu'ils vont le reconnaître, le Messie, comme ayant le droit de naître, et la bénédiction du premier-né. Mais en parlant de manière stricte, cette bénédiction volée n'était pas la bénédiction de l'Alliance qui est venue d'Abraham. Cependant, Dieu était là-dedans, parce que cela parlait de la semence d'Abraham, Christ. Maintenant, écoutez, lorsque Jacob a fui Ésaü, laissant Beersheba pour aller à Haran, c'est le lieu où habitait Laban. C'est à ce moment-là qu'Isaac lui a donné la bénédiction abrahamique. Isaac lui a dit, nous voyons ça dans Genèse 28, verset 2, « Lève-toi, va à Padan Aram, la maison de Bethuel,
le père de ta mère, et prend pour toi une femme des filles de Laban, du frère de ta mère. Donc c'était une épouse qu'il avait donnée pour se reproduire, tout comme Christ a reçu une épouse. Donc il a dit maintenant à Jacob, va et prends une épouse. Mais tout ça se typifie Christ. Maintenant écoutez ceci, et Dieu Tout-Puissant, ce qui est El Shaddai, c'est le Dieu d'Abraham. Que El Shaddai te bénisse et qu'il te rende fertile la postérité. Qu'il te fasse multiplier afin que vous soyez une multitude de peuples de descendants. Voilà, ça, c'est la bénédiction abrahamique. Et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi. Oui, il le dit clairement. Et à ta semence avec toi, afin que tu hérites le pays, l'héritage, là où tu es un étranger, que Dieu a donné à Abraham, l'héritage, le pays. Voilà la bénédiction abrahamique. Voyez-vous, certains croient inheritance land. There's the Abrahamic blessing. Voilà la bénédiction abrahamique. You see, some believe that Isaac loved Esau and was willing to give Esau Isaac the blessing, Esaü, but maybe somewhere in his mind he felt that Esau didn't deserve that blessing. Mais quelque part dans son esprit, il sentait qu'il ne méritait pas la bénédiction. Donc or it could be that he really knew that he was being deceived by Jacob, I don't know. Qu'il était suspected something. Séduit par Ésaü, je ne sais pas. He said, "Draw near, let me touch your hand to see if it is really Esau." Il a dit, laisse-moi toucher ta main pour voir si c'est vraiment Ésaü. Et la voix était la voix de Jacob. So then Jacob waiting for the blessing. He said, "Look, come Jacob and kiss me." La bénédiction. Il voulait le sentir aussi. But the mother put the Mais la mère robe avait mis le vêtement d'Ésaü sur lui afin qu'il puisse sentir l'odeur d'Ésaü. Donc quand il l'a embrassé, il a senti le vêtement d'Ésaü. Et il lui a donné la bénédiction. Mais ce n'était pas encore la bénédiction abrahamique pure, mais c'était une prophétie de Christ. En prophétie. Donc c'était la bénédiction d'alliance à forme pure. And it was after that that et he c'est had après cela qu'il a eu la vision de l'échelle. The Abrahamic blessing upon him la bénédiction abrahamique maintenant étant sur lui. They put the fear of God in him, that a mis vision. La crainte de Dieu en lui, wisdom, cette vision. And he changed gradually through many trials. Et graduellement, il a été transformé par différentes épreuves jusqu'à ce qu'il soit poussé à bout et qu'il lutte avec l'ange et qu'il reçoive Jacob's un nom nouveau. Change started with the Abrahamic blessing. Le changement de Jacob a commencé avec la bénédiction abrahamique. Ended up wrestling with the angel. Et ça s'est terminé avec la lutte avec l'ange et il a reçu un nom nouveau de Jacob en Israël. Genesis 2 to Genesis 1. Genèse 2, en Genèse 1, en type. He repented to Esau. Il s'est repenti vis-à-vis d'Ésaü. He bowed seven times. Il s'est incliné sept fois. Now they bow in seven times. Maintenant, s'incliner sept fois Eastern dans les pays orientaux à ce moment-là. When a king conquered another king, lorsqu'un roi avait la conquête the king d'un that autre, was conquered, le roi conquis bow seven times s'inclinait the king that sept conquered fois him. Devant le roi qu'il avait vaincu. The vassal king, bowing c'était seven un vassal qui s'inclinait so sept fois. Jacob bowed seven times to Esau, he said, "My Lord Esau." Lorsque Jacob sept fois, il a dit, « Mon Seigneur Esaü ». Jacob, had the birthright. Jacob so he avait was le droit Lord de miesse, donc il devait être lui le Seigneur d'Esaü. But he was saying, "My Lord Esau." Il disait là, mon Seigneur Esaü. Like thy servant Jacob. Comme ton serviteur Jacob. So he was like donc saying, il était I'm comme sorry disant, what I did, Esau. Je suis désolé d'avoir fait ce que j'ai fait, Esaü. You really have the right. Toi, vraiment, tu and as Esau le droit. Was moved. Et Esaü fut touché. And hugged his brother. Et il a embrassé son frère. And they had a time. Amen. Et ils ont passé un temps là ensemble. Glory. Gloire. So Jacob was a changed man. Donc Jacob était un homme he changé. Humbly. Il marchait humblement. Amen. You see, we bow by adding the virtues. We are bowing seven times. En agitant les, en ajoutant les vertus, nous inclinons sept fois devant Christ. We are saying, King of Kings. Nous disons, Roi des Rois, Lord of Lords, Seigneur des Seigneurs. Give me temperance. Give me patience. Donne-moi la tempérance. Give me la patience. Donne-moi la piété. You are my Lord. Tu es mon Seigneur. I am your servant. Je suis ton serviteur. Glory. Gloire. My. Oh là là.
So that overcoming spoke of Christ overcoming self-will. Cette victoire venait de Christ. Gethsemane, ayant la victoire sur sa volonté propre en Gethsemane, ça lui a donné un nouveau lorsqu'il est monté en haut. Ça lui a donné la gouvernance. Bakerman a dit que la bénédiction fut séparée entre Judas et Joseph. Il a dit, Judas a reçu le sceptre, le droit d'aînesse dans Genèse 49. Ta main sera sur le cou de tes ennemis. Les enfants de ton père s'inclineront devant toi. Relie avec la première bénédiction, la bénédiction volée. Amen. Amen. But he said Joseph got the land Joseph a reçu la bénédiction du, de la terre, du pays. J'arrive à le comprendre maintenant. Read about it on in that same le lire chapter, dans le même chapitre 49. Dans Genèse 49. Blessings of heaven above, la bénédiction the deep that du ciel, under, la the profondeur, the womb, land blessing. La bénédiction de la so terre. Christ came through Judah, donc Christ est venu au travers scepter, de Judas, le sceptre, hallelujah, king of kings, le roi des rois. But Joseph was a perfect et Joseph type of Christ. Était un type parfait de Christ. So both the rulership and the land, à la fois the inheritance la gouvernance comes through Christ. Et le pays, l'héritage now we see that est venu par Christ. Maintenant nous voyons que cette bénédiction de l'Alliance parle de notre retour en Éden. Nous devons retourner à la véritable postérité de Dieu. Ça doit but être la postérité. Et nous avons la mauvaise, nous avons l'hybridation, l'homo sapiens, l'homme sage. Hallelujah. Hallelujah. Amen. But we have to get back to deity. Mais nous devons retourner à la déité in flesh. Dans la chair. That's the real offspring. C'est la véritable postérité. Glory. Gloire. Deity in flesh with rulership. Déité dans la chair avec la gouvernance sur les adversaires. Even your own Philistines. Même vos propres Philistins. Glory. Gloire. Then the multiplication of the ensuite, seed. La multiplication de la reproduction semence. By the spoken la reproduction word. Par la parole parlée. Hallelujah! That's a covenant. That's a covenant. C'est notre alliance. That's c'est l'alliance. In the covenant. That's the element c'est la bénédiction dans l'alliance. Ce sont les there. Éléments. Vous devez y that's retourner. The covenant will be confirmed. C'est là où l'alliance sera confirmée. Woo. Oh, glory to God, amen. Gloire à Dieu, amen. And inheritance et ensuite, the earth. Un héritage de la terre. Reign on the earth. Nous régnerons sur la terre. Alléluia, in the millennium. Dans le millénium. And in the great hereafter. Et le grand au-delà. Amen. You see it. Vous le voyez. So you see a covenant. Et si vous voyez l'alliance. Now watch. Maintenant regardez. The entire Abrahamic covenant. L'alliance abrahamique entière. With all its blessings. Avec toutes ses bénédictions. Was based on a et bleeding basé sacrifice. Sur un sacrifice de sang. Which spoke of Calvary. Qui parlait du calvaire. Abel recognized Abel it was the only reconnu, way c'était le seul chemin de retour en Éden. The Lord promised Abraham le Seigneur a promis à Abraham but he wanted la terre, to know mais how il voulait he was savoir going to inherit it. Comment il allait l'hériter. He wanted an official guarantee. Il voulait une garantie officielle. And God told him to take a heifer, et Dieu lui a dit a de prendre and a ram, all of 3 years old, and divide it. He was showing him he would get it through atonement. De 3 ans et il a divisé, lui montrant l'expiation par le sang. He told him also to take a turtle dove and a pigeon. De prendre but don't une colombe. That's your divine healing in the atonement. Ne pas les séparer parce que c'est la partie oh, de la guérison dans l'expiation. My God. Mon Dieu. No feeble one will go in the rapture. Personne de to guard that sacrifice from the birds. Il ira dans l'enlèvement sans être restauré. Et Abraham a donné toute diligence pour garder le sacrifice venant des oiseaux every de proie. Some false spirit parfois lorsque tous ces esprits essayent de vous écarter de l'agneau sanglant, des vertus, alors chassez-les, allez-vous-en. Chassez les oiseaux du sacrifice. Some false spirit of bad temper. Ces esprits de mauvais tempérament qui not to say. Vous font dire des choses que vous ne devriez pas dire. La tempérance, chassez cela. Hallelujah. Hallelujah. That attacks your patience, your steadfastness. Ce qui attaque votre patience, votre stabilité. Chassez cela. Restez stable. Attacking your godliness. Qui attaque votre piété. Chassez ça. Worldly things. Par les choses mondaines. God, that sacrifice. Gardez votre sacrifice. Wait for the time. Wait. Attendez le temps. Wait. Attendez, amen. Attendez. Tell the thunders utter their voices. Que les tonnerres font entendre leur voix. Attendez, gloire à Dieu. La page 304.
Hallelujah. Alléluia. But the time is upon us. Le temps est sur nous. So as the evening shadows fell, alors que tombaient les ombres du soir, Abraham a commencé à avoir une expérience du calvaire. La première chose qu'il a vue, c'était sa condition humaine. L'horreur des ténèbres sont tombées sur lui. Le prophète dit all men to hell. Que tous les hommes vont vers l'enfer. Expérience lorsque vous venez au calvaire et que vous vous voyez vous-même. L'horreur des ténèbres. Oh, Jesus. Oh Jésus. He saw his sin cursed condition. Il a vu sa condition maudite par le péché, qu'il était, était bon pour l'enfer. Amen. Now, I just want to pause a little here. Maintenant, je vais faire une petite pause now, this ici. Is not about fear and il ne s'agit guilt. Pas de crainte et de that's culpabilité. Ça, c'est du légalisme et c'est le jugement. Amen. That a legalistic spirit un esprit légaliste. Et c'est simplement faire ceci et pas faire cela. Si vous faites ceci, vous allez plaire à Dieu. Sinon, ce n'est pas plaire à Dieu. Non, vous êtes un attribut de son esprit. So you're going to make it. Donc, vous allez y arriver. But on the other hand, mais de l'autre côté, this is not about worldliness il ne s'agit pas de mondanité and babying people either. Et des histoires de bébés, être traité pouponné. Because there's a kind of approach parce also on the other approach hand, aussi de l'autre côté. You know, give the young people a chance, no, man. Donnez l'occasion aux jeunes gens, ne soyez pas difficiles. You must be harsh with anybody. Je ne dis pas qu'on doit être amen. Difficile avec oh, tout le monde, man. Avec qui que ce soit. Make sure and keep them in church. Once they keep them in church, it's all right. Say, God, you'll sin do what you want. Mais but we must keep you in church to hinder the whole church. Nous ne devons pas pourquoi tapoter les gens amen. Dans le dos. That's not helping either. Ça ne va pas les aider non plus. Whether you're young or old, que vous soyez jeunes ou vieux, it's the same Goliath. C'est le même Goliath. It's born in sin and shaped in iniquity. Né dans le péché et formé dans l'iniquité. Give them a chance. You must listen to them. Donnez-leur l'occasion. Ils doivent écouter ceci. Il faut de l'amour. Glory to God, man. The love of God, brother, will shake you to the bones. Non, l'amour de Dieu va vous secouer jusqu'à l'os. Amen. A sinner coming to Christ, shake you to the bones, show you you're nothing. Hallelujah. Then start to build you up in a new creation. Va vous montrer qu'il n'est rien. Et puis alors, à partir de là, commencez la nouvelle création. Amen. That fire of God. Le feu de Dieu est that là pour, comes to give you the baptism of the fire. Pour détruire la vie nature. It's the judgment of God. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le jugement de Dieu. Consumer tout ce qui n'est pas de lui. Non pas taper dans le dos, je comprends, et vous êtes jeune, et vous avez des convoitises, et tout ça. Oh, laissez-le un peu tranquille. Glory. Gloire à Dieu. Praise. Or must we get an old? Amen. But I, this is the old time way. It is the old fashioned way. I know it. Bon, ceci est la. Young, old. La religion ancienne mode. Jeunes ou vieux, peu importe les circonstances. God is more than able. Dieu what est plus que capable. Qu'en est-il des enfants d'Israël qui étaient piégés dans la mer rouge et Pharaon était à leur so poursuite. Well, Moses, we know, really a ticklish situation. Moïse, so I think we should put up je pense que nous devrions a white flag. Sortir le drapeau blanc et nous abandonner, nous rendre à Pharaon. Oui. Histoire de croyants ou pas. Moïse a dit, frère, restez tranquilles et voyez le salut de Dieu. Retournez chez Pharaon, mais vous plaisantez. Gloire. Trop de raisonnement. So it brings a worldliness in the church. Ça amène la mondanité and dans l'église. Alors l'église est il y a des empêchements, vous pouvez pas avancer. Glory to God. Gloire à Dieu. So whatever situation you're in, it might ainsi be very difficult. Soit la situation, ça peut être amen. Très we difficile. Understand how hard it is for the flesh. Peu importe combien c'est dur pour glory, la chair. But you are more than flesh. Mais vous êtes plus que la chair. You are the Genesis one man. Vous êtes l'homme de Genèse 1. You are deity on two feet. Vous êtes la déité sur deux that's pieds. What you're supposed to be. Voilà ce que vous êtes censé être.
You have to do like Caleb. Vous devez faire comme Caleb. Hallelujah, you watch them three giants. Vous voyez ces trois géants, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, là sur votre montagne. Maintenant, donne-moi cette montagne. Je vais les chasser. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire. Because you've got to make hell hot. Parce que vous devez rendre l'enfer chaud et le ciel élevé. L'enfer est chaud, brûlant et le ciel est élevé. No in between. Il n'y a pas entre les deux. Glory to God, amen. Gloire à Dieu, amen. Hallelujah. Glory. His holiness sings. C'est la sainteté. The fear of the Lord. La crainte du Seigneur. It's the beginning of wisdom. Et le commencement de la sagesse. Amen. Jesus said, "Let me tell you whom to fear." Jésus a dit, do not fear those who could kill the body. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Mais craignez celui qui peut à la fois emporter le corps et l'âme et l'envoyer en enfer. Et craignez-le lui. It's Jesus who said that. C'est Jésus qui a dit cela. When a sinful man stands before a holy God, lorsque l'homme pécheur se tient devant le Saint Dieu, il y a cette horreur des ténèbres. Good self doesn't count there at all. Le bon moi ne compte pas du tout. It was like the darkness in Egypt. C'est comme la ténèbre en Égypte. So thick it could be felt, but there was a light in Goshen. Sentir, mais il y avait la lumière en Goshen. And we had a sign of it in Ghana. Et nous en avons eu un signe au Ghana. Why? Is it pourquoi? Because they were more worthy than the Egyptians? Et c'est parce qu'ils étaient plus dignes que les Égyptiens. Don't think you're more worthy than some world, more. Pensez pas être plus digne. Some worldly person, you know. Que... Here go I, but for the grace of God. Mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Because you're a long time in a message, you holier than everybody. Non pas parce que vous êtes depuis longtemps dans le message que vous pouvez mépriser des gens dans votre cœur ou parce qu'ils sont respectables ou quoi que ce soit. C'est du non-sens. Ils sont là par la grâce de Dieu. Ils n'étaient pas plus dignes que les Égyptiens. Ils avaient la loi, oui, ils étaient sous la promesse de l'alliance. Mais ce n'était pas par quelque chose de bon qu'ils avaient fait. Non, c'était par une alliance inconditionnelle de la grâce. Ainsi, avec toutes les œuvres puissantes là, en Égypte, ils ne pouvaient pas sortir. Malgré les grenouilles et tout ce qui avait été créé, ils ne pouvaient pas sortir. Il n'y avait qu'un seul chemin pour sortir. Prenez l'agneau, prenez le sang. Strike the post on the door. Mettez le sang sur les montants des portes et le linteau. For I'll pass through Egypt this car je traverserai l'Égypte cette nuit. And strike all the firstborn. Pour frapper tous les premiers-nés. All of the dead angel pass. Que l'ange de la mort passe. God's pride safe at last. In the token he gave. De Christ est sauvé finalement et il nous a donné le signe par lequel être sauvé. Alléluia et gloire à Dieu. Le sang est appliqué, l'esprit demeure, que l'ange de la mort passe. Le sang de l'animal le plus doux qu'on peut trouver sur la terre, devait être versé et placé sur les montants des portes et les linteaux pour sortir d'Égypte. Lorsque l'année du Jubilé était là, il n'y avait qu'un seul chemin pour sortir de l'esclavage, c'est entendre la trompette du Jubilé, le shofar, qui sonnait là le jour de l'expiation, le dixième jour du septième mois. Vous ferez que la trompette du Jubilé sonne le jour de l'expiation. Là, le sang appliqué, là, le trône de miséricorde. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. When I see the blood, quand je verrai le sang, I will pass over you. Je passerai par-dessus. So the light of Elohim, la lumière d'Elohim, like a burning lamp,
flame passe comme between une lampe brûlante that Abraham passant had guarded à travers des morceaux là, des animaux que Abraham avait gardé. Rien de bon que j'ai fait, rien que le sang de Jésus. And he made a covenant with et il a fait Abraham. Une alliance avec Abraham. Il lui a donné l'héritage de la terre. Dominion restored in type. La domination étant restaurée en type. Before the lamb was slain and God's thinking, l'agneau fut immolé dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Before knowledge, he saw how Satan would deceive him. Il a vu comment Satan allait séduire sa fille attribut pour faire que son fils attribut tombe. And yet we know this was according to his purpose. Cela était selon son but to make himself known, not only as a caring father or one to be worshipped, but as a redeemer and the many redemptive attributes that go with it. Et les attributs de rédemption qui l'accompagnent, guérisseur, libérateur, etc. C'est pourquoi il a immolé l'agneau dans sa pensée. And he put the names et of his il a mis les noms de ses fils et filles attribués. Nous faisons tous partie de lui, nous on sommes un. Book of redemption. Il l'a mis là dans son livre de rédemption. The life of the slain lamb, la vie de l'agneau immolé, la sainte vie de la déité went as your name on the book. Est entrée là comme votre nom dans le livre, in God's thinking. Dans la pensée de Dieu. Adam, had the book to Adam call avait the le livre pour appeler les noms, pour reproduire cette vie dans la chair, to multiply according pour se multiplier to the covenant. Selon l'alliance. But the serpent got to mais Eve le serpent a atteint Ève en premier, right into God's hand, mais c'était dans for la main de Dieu, slain car lamb, seul l'agneau immolé, le deuxième Adam, pouvait appeler ces noms, parce que vous avez été écrit comme racheté, mais pas selon un autre chemin. And God has a purpose in doing et it Dieu that way. A un but dans le fait d'agir ainsi. But Adam and Eve could never say it is because we obeyed. It's Adam about our righteousness. C'est parce we obeyed. Nous avons obéi. Nous avons cette justice parce que nous avons obéi. Qu'il lui a donné l'arbre de vie. Non, il ne pouvait pas dire cela. Amen. You could never say. Il ne pouvait pas dire. There was nothing that you could claim. Il n'y a rien qu'il puisse proclamer ou qu'il aurait pu Amen. Dire. But the blood of the lamb. Mais c'était le sang de l'agneau. Glory to God. Gloire à Dieu. Because the Genesis 2 man is a humble man. Parce que l'homme de Genèse 2 est un homme humble. Genesis 1 man, yeah, quite right. Thank you. Oui, vous avez raison, l'homme de Genèse 1. Merci. Vous écoutez. On the word. Vous êtes on dans la the parole. Ball. Vous êtes là sur la balle. Thank you. I say, and God makes me make voyez, say that. Dieu m'a so fait dire cela. It could show us who is listening to. Afin que ça puisse montrer qui écoute. Everybody is listening. Mais tout le monde écoute. I think. Je pense. Glory. Gloire. So Adam had a book to call donc Adam those avait le livre pour appeler ses noms. Now, to make the covenant unconditional, maintenant, pour rendre l'alliance inconditionnelle, l'homme de Genèse 1 devait venir dans la chair par la parole parlée pour faire l'expiation pour l'homme de Genèse 2. Homo sapiens payait le prix pour l'hybridation de l'homme. So he pays the debt donc il paye la dette he could not pay. Que nous ne pouvions pas payer. And that makes it unconditional et ça for rend us. La chose inconditionnelle pour nous. Gloire. God ensures that the Genesis 2 man doesn't claim Genesis 1 man. Ne réclame pas l'homme de Genèse 1. Oui. We've seen it in the message, you know. Dans le message. You're drinking, you're smoking. I still a son. I know he's a son. Yes, I know he's a son. So I can make it. Je bois, je fume, oh, mais je sais que je suis un fils. Je vais quand même y arriver. Oh, j'en ai assez entendu comme Genesis ça. Genesis 2 man claiming sonship. L'homme de Genèse 2 qui proclame la filiation. That's why he put a cross. Voilà pourquoi il a so mis la croix afin d'être brisé. You'll be nothing. Que vous n'êtes rien. Down at the cross where my vous Savior vers died. La croix là où mon Sauveur est mort. Down for cleansing from sin I cry. There to my heart was the blood applied, oh glory to his name. And that's the Genesis 1 man coming out. Et alors, but c'est giving glory to his maker. Not to himself. There's himself in the Genesis 1 man. Oui, mais yet it is the Genesis 1 man. Et cependant, c'est l'homme de Genèse 1. So that is what the Abrahamic covenant pointed to. Voilà God quoi indiquait l'alliance abrahamique. Dieu est devenu l'un de nous en Christ et il a gardé la partie de l'alliance qu'Adam n'a pas pu garder. You see what he did? Voyez-vous ce qu'il a fait? Adam, had broken the covenant. Adam avait brisé l'alliance. Amen. So Jesus came donc Jésus est venu Adam. Comme deuxième Adam. Hallelujah. Glory. Gloire. And kept the covenant. Et lui, il a gardé l'alliance. He conquered sin, he conquered il a conquis le péché, il a conquis l'incrédulité, tout. Conquered sickness, everything. Il a conquis la maladie, tout. Everything to do with tout. The fall, he conquered it. Tout he's a great and mighty conqueror. Le grand et puissant conquérant. Oh, behold, the man of sorrows.
Voici un homme de tristesse. Là, regardez-le. Car il est le puissant conquérant. Et il a déchiré le voile en deux. Il a conquis la mort elle-même. L'apôtre Paul nous dit que la semence d'Abraham est Christ, le deuxième Adam, l'homme de Genèse 1, et la véritable postérité de Dieu. Now, as we saw, the atonement was in the animal sacrifice per se. N'était pas le sacrifice animal en soi. C'était dans la révélation de ce que la position du sacrifice. Somebody could say, well, I see Abel kill a lamb. Let me go and kill a lamb. I see like God like that. Yes, let me go and kill a lamb. Voyez-vous, je vais tuer un agneau parce que Dieu aime ça. Non, mais Abel avait la révélation de ce qu'il faisait. And why he was doing it. Et pourquoi il le faisait. But you just run into imitate Abel. Mais si vous voulez imiter l'imitation, bien c'est le même agneau comme Adam. J'ai fait comme Adam. J'ai regardé comment il a fait. Est-ce que je dois? Je l'ai tué exactement comme Abel l'a fait. Mais Abel savait que c'était le chemin de retour vers l'Éden. Il savait que ça devait être par le sang versé. Parce que la cellule de sang avait provoqué l'hybridation. Mais cet autre gars, il imitait Abel d'une façon légaliste. C'est pas par quelque chose que vous faites que vous pouvez plaire. Dans la chair. Vous devez avoir une révélation. Donc il a déversé une expiation du sang dans la révélation d'Abel. Parce que c'était en accord avec sa pensée. Hallelujah. So then Rahab, you take Rahab for instance. Regardez Rahab, par exemple, elle savait que la mort allait frapper Jéricho. Mais elle savait aussi que le Dieu d'Israël pouvait la sauver. Donc voici ce qu'elle a demandé aux espions. Regardez. Now therefore I pray you. Je vous prie, dit-elle. Swear unto me by the Lord. Jurez-moi par le Seigneur. Since I have showed you kindness. Comme je vous ai montré de la gentillesse. Also. Que vous aussi montriez de la gentillesse envers la maison de mon père et que vous me donniez un véritable signe. Amen. Amen. Je disais à Sir Nanton en parlant de ceci, j'étais chez Frère Waldron. Je me suis toujours souvenu de ce message de Frère Waldron, un véritable signe pour une véritable vie. Il a utilisé cette écriture. Elle voulait avoir une garantie. And that he will save alive my father and my et qu'il sauve and mon père et ma mère et mes frères et mes sœurs et tout ce qu'ils ont and deliver our lives from death. Et qu'il sauve notre vie de la mort. Elle avait la révélation du Dieu d'Israël qu'il pouvait faire cela pour elle. And God poured a blood et Dieu a déversé une expiation de sang dans sa révélation. Alors elle les a laissés échapper de la muraille par ce cordon ramoisi. Et ce même cordon qui les a sauvés des poursuivants était le même signe qu'elle devait montrer pour être sauvée avec sa maison. Parce que Israël venait là comme une armée vengeresse, comme l'ange de la mort. Mais Rahab a montré le sang. Oh là là. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Wow. It just didn't say. She just didn't say, "Hena, when you all come in, please help me. See, I help you all out." She wasn't a Trinidadian. Elle n'a pas dit simplement. See, I help you all out. S'il vous plaît, aidez-moi. So you have to give me a bye. You know, I mean, remember the address, eh? Vous vous souvenez de son adresse? No, address, nothing so looking. L'adresse. Hallelujah. Ou pas. A scarlet cord. Mais c'était. Blood token. Corde en rouge, le signe du sang, quand je verrai cela, alors je saurai comment épargner cette maison. Oh, alléluia, alléluia. Amen. Why Rahab? Pourquoi Rahab? Was she more righteous than anybody? Était-elle plus juste que les autres? Non, c'était une prostituée. Mais son nom était écrit dans cette section du sang du livre de la vie, comme Marie-Madeleine, et la femme au puits. Elle était rachetable. Elle était une fille attribut du Tout-Puissant. Oh, gloire! Gloire! Hallelujah! Hallelujah! Amen!
Maintenant, regardez bien que l'expiation de sang soit déversée dans la foi d'Abel. Il n'avait pas encore le sacrifice juste, mais seulement une ombre. La vie du sang animal ne pouvait pas le faire. Il fallait un ordre plus élevé de la vie de la déité pour racheter l'homme. Ainsi, l'accomplissement de l'alliance se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Jésus a parlé du Nouveau Testament, ce qui signifie l'alliance en son sang. Elle était nouvelle parce que la loi était l'ancienne alliance que personne ne pouvait garder. Mais l'accomplissement, voyez-vous, on retourne à l'alliance abrahamique. Israël, en fait, avait rejeté l'alliance abrahamique pour prendre la loi au lieu de la grâce. Mais l'alliance abrahamique, c'est la grâce. Ainsi, lorsque Jésus a dit, c'est la nouvelle alliance à mon sang, selon l'ordre de Melchisédek, Melchisédek était le grand prêtre d'Abraham. Alléluia. So then is the covenant. This is the Abrahamic covenant. Alors ceci est l'alliance abrahamique. I'm bringing here now. Que j'apporte ici. Gloire. Amen. But by the fulfillment of that covenant, they brought a new covenant. So alliance, to write the law, une nouvelle alliance, écrire la loi sur nos cœurs et le mettre dans notre esprit. Et cela ne vient que par la véritable expiation, la vie du sang, les sept esprits de Dieu, écrivant la loi, non pas sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair de notre cœur, son trône de miséricorde, le vêtement arc-en-ciel de Joseph pour nous rendre parfaits, l'alliance, l'arc-en-ciel. Maintenant, regardez, les pentecôtistes avaient la dynamique, mais pas la plénitude de l'expiation, parce que leur révélation était simplement sur la naissance et les dons. Ainsi, l'expiation en plénitude ne pouvait pas être déversée là-dedans. Mais le tonnerre révélant la stature de l'homme parfait, voyez-vous pourquoi Dieu a déversé son expiation de sang dans le message. Alléluia. Mon Dieu, la dynamique venant là-dessus déverse la plénitude de l'expiation dans cette révélation, le vêtement de Joseph. Ainsi, la dynamique vient dans l'Église, dans le ministère de l'Esprit, et cela nous conduit au calvaire, parce que la plénitude de l'expiation est déversée dans la révélation que les tonnerres détenaient. Et ceci est dans la manifestation de cette voix vivante, le 26 décembre. Soyez parfait comme votre Père dans le ciel est parfait. Comment vient cette perfection? Par les sept esprits d'Élohim, formant l'image parole en vous, par 2 Pierre 1, 4 à 7. Prenez le sang d'un homme et mettez le sang de Jésus, une transfusion de sang. I always thought the dynamics J'ai toujours pensé que dynamics la dynamique viendrait, la dynamique sur la mécanique. But how will I be Mais perfect? Comment serais-je parfait? Because the dynamics Parce que la dynamique s'est déversée sur les pentecôtistes. And they didn't come to ils ne sont pas arrivés à la perfection parce qu'ils avaient des dons. Alors, lorsque j'ai reçu la révélation, j'ai compris qu'Elohim était sept esprits, sept couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, j'ai pu comprendre comment il m'avait dit en 1964, Jacob, grâce, Joseph, perfection. Et dans la brochure, la révélation de Jésus-Christ, 1960, et qu'est-ce qu'ils ont fait à Joseph? Ils ont fait semblant qu'ils avaient été morts et ils l'ont jeté dans un puits. Vous savez, ils ont fait semblant qu'ils étaient morts. Et c'est un autre Joseph. Ils ont pris un vêtement sanglant de sept couleurs. Son père, il n'y a que sept couleurs de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel sur lui, un arc-en-ciel, c'est une alliance. Et c'était l'alliance de Joseph, l'alliance de Dieu sur Joseph. Les frères de Joseph avaient trempé son vêtement dans le sang pour faire penser à son père qu'il avait été tué par un animal sauvage. Il ne savait pas ce qu'il faisait. L'alliance était dans le sang. Donc ils l'ont mis dans le sang et ils ont dit au père, voilà ce que nous avons trouvé. Un vêtement arc-en-ciel trempé dans le sang. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Voilà ce que nous avons trouvé. Amen. And that was their very atonement. Et c'était l'expiation même. Because he spared their lives when they Parce qu'il avait préservé leur vie là lorsqu'ils sont mis en Égypte. Oh my Jesus. Oh Jésus. Hallelujah. As we were saying, Comme nous disions, lorsque Dieu a immolé l'agneau dans sa pensée, il a mis votre nom dans le livre de la rédemption, écrit comme racheté. La vie du sang est sortie comme votre nom dans le livre. Donc vous êtes le sang de Dieu.
Not your Genesis 2 man, pas votre homme de Genèse 2, man. Mais l'homme de Genèse 1. Le sang est la vie. And your life comes et votre from the vie vient de l'agneau immolé dans sa pensée. This is what I'm saying. Your Genesis parce que one je dis man l'homme de Genèse, la vie de l'homme de Genèse 1 qui vient de la croix. If you want it, get it. Si vous voulez le recevoir, recevez-le. Cross is a tree of life. La croix du calvaire est l'arbre de vie. My God. Mon Dieu. Hallelujah. And there are seven sets of names. Et il y a sept mentions, c'est sept noms. Le nombre de Dieu, de l'accomplissement, il représente sept âges d'église, tous les noms qui forment le livre de la rédemption, la section du sang, du livre de la vie. That's a book in the book. C'est le livre dans le That's livre. A bride taken from a side on c'est l'épouse the cross qui est sortie de son côté là, à la croix Now, et dans les âges de l'église. Maintenant, regardez. It's not each one's natural name, ce ne sont pas des noms naturels, but the mystery of what the mais book le mystère is, de ce qu'est le livre while it's calling those names. Alors qu'il appelle ces noms. So all the names Ainsi, tous les noms ensemble, c'est le mystère Follow du me livre. Here. Suivez-moi. So Ainsi, le mystère each age, dévoilé dans chacun, but not fully. Mais pas pleinement. Because only some Parce names que were called in seulement each age. Certains noms furent appelés dans chaque âge. Your name on the book is the Votre nom dans the le livre est le mystère de ce qu'est le livre. Said. Voilà ce qu'a dit le prophète. Not each one's name, but pas le nom de chacun, mais is, le mystère de ce qu'est le livre lorsqu'il appelle ses noms. Et vous, par la foi, vous l'avez reçu. So a mystery was Ainsi, un mystère in each age, a été révélé dans chacun. Ce qui est les noms appelés dans chaque âge et qui furent révélés. Et les croyants l'ont reçu par la foi. Mais ce n'était pas encore la plénitude. C'est écrit dans la section du sang. Le sang. Amen. Amen. Donc, l'expiation en partie, partiellement dans chaque âge. Mais pas la plénitude de l'expiation. Because not all the names. Parce que ce ne sont pas tous les noms. Not the whole mystery. Pas tout le mystère entier. The name is the mystery, the mystery le nom, c'est is the le mystère, blood, le mystère est le sang, blood. Le nom est le sang. It's all one. Tout cela est un. You get what I'm saying? C'est ce que je veux dire. He thought of the lamb slain, il a pensé à l'agneau immolé et puis il a mis votre nom dans so le the livre. Life of the lamb Donc la vie de l'agneau immolé dans sa pensée était la vie du sang which was your name on the book. Qui était votre nom dans le livre. Amen. But Amen. He had a purpose in doing Mais il avait un a but en faisant cela, purpose. Un but du triple mystère. Alléluia. So you are part of that Ainsi, vous faites partie de ce but de triple mystère, the mystery of what the book is. Le mystère de ce qu'est le livre. So all the names that Ainsi, went tous as les noms qui sont sortis book. Comme la vie du sang Alléluia. Dans le livre, is the mystery of the book. C'est le mystère du livre. The prophet said le prophète a dit que Christ, in the Bible makes dans la Bible, him the center of the Bible. Fait de lui le centre de la Bible. Il a dit Christ en vous makes you the center fait of the de vous thing. Le centre de toute la chose. So you become the mystery of what Ainsi the book vous is. Devenez le mystère de ce qu'est le livre. Oh my. Which is your name on the book? Qui est votre nom dans Which le livre? The blood? C'est qui est le sang? Oh my Jesus. Oh mon Jésus. You see? Voyez-vous, ce que j'essaie de faire sortir de cette onction du calvaire, c'est qu'il y a une attitude qui sort de l'homme de Genèse 1. Et seul le calvaire élicite cette attitude. Sinon, l'homme de Genèse 1 doit être reçu comme la vie du sang. It cannot be received otherwise. Il ne peut pas être reçu It's autrement. Impossible. C'est impossible. Glory. Gloire. Hallelujah. Redeemed how I love to proclaim it. Racheté, oh. Comme j'aime le proclamer. You can't explain it. Vous ne pouvez pas l'expliquer. You just have to get there. Vous devez y arriver. And let wave after wave Et laisser vague après vague de l'esprit de son roll sang you. Venir oh. sur vous. And pull that Genesis one man to the fore. Et faire sortir l'homme de Genèse 1 vers l'avant. Mettre tout dans votre And vie sous le sang. Et voyez comment les bénédictions vont couler. All these healings Toutes ces guérisons. Come from today. D'où viennent-elles aujourd'hui? Oh, Jesus. Oh Jésus. Woo! He's turning things around. Il dit des choses. Because of blood atonement. C'est l'expiation du sang.
is being poured into the church. En train d'être déversé dans l'église par la prédication du pasteur. Ainsi dit l'Esprit. My God. Mon Dieu. Hallelujah. You may be seated. Glory to God. Hallelujah. Now in this age, all the dans cet âge, tous les noms are entrusted to the Omega Bride Church to call for the reproduction of the original species. La reproduction de l'espèce, de l'espèce originelle, les racheter. It was not altogether absent from the early church. Donc il a fait confiance à cette église Omega pour la reproduction. Et the prototype. Il n'était pas entièrement absent de l'église primitive. Donc Pierre est allé vers Corneille, la parole parlée. Amen. Philip went to the eunuch. Philippe est allé vers l'eunuque, la parole parlée. Peter spoke to 3,000, Pierre a parlé aux 3,000, word. La parole parlée. Prototype. Un prototype. Hallelujah. Blueprint. Un plan. Mais Ève aussi était une préfigure de l'Église. Ainsi, au concile de Nicée est venu le croisement de la parole à nouveau avec des doctrines païennes. Et cette Église de parole est tombée. Mais malgré cela, chaque âge a produit une vertu. Une vie du sang, de l'âge, parce qu'il était mort pour racheter ses attributs, dit le prophète. Amen. That basin of blood is large, Brother Brown. Large. So he poured the atonement in the feet of the believers for that age. C'est pourquoi il a déversé l'expiation dans la foi des croyants pour cet âge-là, mais pas dans sa plénitude. Gloire. Dans la révélation de Jésus-Christ, Joseph avait l'alliance arc-en-ciel, le diable n'a pas pu arrêter la bénédiction qui était sur Joseph. Joseph criait par la secrète, il ne pouvait pas. Ils ne pouvaient pas dire qu'il était fini. Parce que Joseph avait une alliance. Il avait l'alliance arc-en-ciel. C'était l'alliance de Dieu sur Joseph. Ce n'était pas Joseph l'être humain. C'était l'alliance de Dieu. And Joseph perfection releases the Holy Ghost perfection libère le Saint-Esprit lui-même. Le 7 octobre 1990. Maintenant, Église, ne manquez pas de saisir ceci. Le 10 novembre 1964, le sommet de la fondation, cette inspiration fut révélée. Jacob grâce, Joseph perfection. Et c'était le sommet de la fondation, de l'inspiration. Le 20 septembre 1974, l'inspiration du corps, les sept de voix sont les sept tonnerres de cet âge de l'Église. C'était l'inspiration de la structure du corps venant sur la fondation. Et alors, le 25 décembre 1988, le sommet de la révélation fondement est venu à nouveau et il m'a parlé le 23. Il a dit tout comme Luther a libéré la justification. Et c'était l'autel des reins là, avec le sacrifice dans le parvis extérieur pour tous vos hauts et vos bas. Before you go to work, before avant d'aller au travail, avant de faire face à votre journée, vous avez l'oblation du matin et vous mettez tout sous le sang pour vos hauts et vos bas, là, dans le parvis extérieur. Hey! Alléluia. Hey, hey, hey! It must not be without blood. Ça ne doit pas être sans Hallelujah. Le sang. Glory to God. Gloire à Dieu. Amen. Glory to God. Amen. Oh boy. Anyway, I don't want to say that part. Blessed be the name of Jesus. Béni soit le nom de Jésus. Yes, sir. And then, et alors, amen, Wesley, Wesley a libéré la sanctification du sacrement. Amen. Et c'est l'autel de l'encens dans le parvis intérieur. Et l'encens était basé sur le sacrifice de sang. The theologians are saying les théologiens disent no qu'il n'y a pas d'autel de sacrifice dans le ciel, mais simplement un autel de l'encens. Mais le prophète dit ça ne peut pas être ainsi. Parce que que sont alors sur quoi est basé l'autel des parfums? Ça doit être basé sur un sacrifice de sang. Ainsi, l'autel d'encens dans le parvis intérieur était basé sur le sacrifice sanglant. Votre prière doit toujours être présentée avec le signe. Présentez le signe avec vos prières le matin et le soir.
Oh, yeah, 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 yeah. Jesus. Glory. He said, as the Pentecostals release the Holy Ghost, ont libéré le Saint-Esprit. De même, Joseph Perfection libère le Saint-Esprit lui-même. Joseph Perfection, la pierre de fer, la pierre de pierre, libère le Saint-Esprit lui-même. C'est dans le lieu très saint où le sang est aspergé sept fois. Sept voix vivantes, la plénitude de l'expiation pour la glorification. Le sang de la parole révélant ses plans de gloire. Alléluia. Oh, alléluia. It brings us back to speaking condition. Ça nous ramène en pourparler, même la reproduction de vrais fils, des fils remplis, des fils qui parleront et leur parole sera soutenue. La page 304 pour accomplir le cinquième but des tonnerres. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. And it can only happen et cela ne peut arriver que par l'accomplissement de la prophétie, de la dynamique qui nous conduit au calvaire là-bas. Non pas comme les pentecôtistes oignant les dons, mais pour déverser tout ce qui est en Christ en nous au moyen d'une transfusion sanguine. La plénitude de l'expiation. Tous les noms dans le livre. Enveloppés dans le triple mystère de Dieu. Retenu là par les tonnerres. Brother, thank God for the threefold. Merci Seigneur revelation. Pour la triple révélation. Because the fullness of the atonement. Parce que la plénitude de l'expiation se trouve là-dedans. Deity. La déité. To be revealed in human beings. Devant être révélée dans des êtres humains. So picture the scene as we are in the home. Ainsi, représentez-vous cette scène. Picture the scene in Revelation 5. Dans Apocalypse 5. It's critical. C'est critique. John didn't say. Jean n'a pas dit. Look, regardless of what I is a son, yes. Regardez, peu importe, je suis un fils. Je dois y arriver. Il n'a pas dit cela. Amen. Non. How often I've heard that in the message. Combien j'ai entendu cela souvent dans le message. But I go make it. Je suis rétrograde, mais je vais y arriver. Non, he knew non, if pas Jean. Il savait que si quelqu'un de la race humaine ne prenait pas ce livre pour en libérer les noms, que tous seraient perdus. There would be no hope qu'il n'y aurait pas d'espérance of getting back to our de retourner à notre état originel et à notre commission pour reproduire selon this notre espèce. C'était une situation critique. A man might be a king. Un homme peut être un roi. Amen. Like the slave in the galley, he might be a king then. Comme avec les esclaves, mais il peut être un roi. He could have a coup in his country and take over his kingdom and throw him out. Mais quelqu'un peut venir pour le chasser de son pays. That he's ça ne veut pas dire. No longer king really, you know, because legitimately he's a king. Légitimement, il est un roi. De manière légitime. But they have thrown him out by illegal means. Mais ils ont fait un coup d'État. Ils l'ont jeté dehors. Say, il ne peut pas dire. I'm a king, I'm a king, I'm a king. Je suis un roi, je suis un roi, je suis un roi. And one day I'll get back. Et un jour je vais revenir. Je vais revenir. Mais il doit savoir comment il va revenir. Voyez-vous, c'est une situation critique. Parce que quelqu'un d'autre se trouve sur le trône. And while he is a king, alors cependant, bien qu'il soit roi, it is very critical, il est vraiment. La situation est très critique. So he must find the means. Il doit trouver le moyen. Get back there. De retourner là. And that is what I'm trying to say. Et voilà ce que j'essaie de dire. We are the Genesis one man. Nous sommes l'homme de Genèse 1. But we have become trapped in a Genesis 2 body. Mais nous avons été piégés dans un corps de Genèse 2, le Nephesh. Amen. But a way has been made. Mais un chemin a été fait. For us to get back. Pour que nous retournions. Express Genesis 1. Et exprimer l'homme de Genèse 1. Hallelujah. But it is critical. Mais il est critique. The situation is critical. La situation est critique. So this is Revelation 5 now. Maintenant voici Apocalypse 5. Jean est le Saint-Esprit parce que le prophète dit. Jean fut mis dans de l'huile bouillante. Right? N'est-ce pas vrai? God allowed them to put John in boiling oil. Dieu a permis qu'il soit jeté dans l'huile bouillante John was divine. Pour prouver que Jean était divin.
Somebody brought that out. I don't know if it's brother Jason or somebody. Quelqu'un avait parlé de ça, frère Jason, je ne sais plus. Frère Nat. So John was divine. Donc Jean était divin. But yet he wept. Mais cependant, il a pleuré. He was divine. Il était divin. He had survived boiling oil. I don't il avait survécu à de l'huile bouillante. I mean, he was divine. Il était divin. And here he is weeping. Et là, il était en train de pleurer. Because he's seen the critical parce qu'il voit issue. Ce problème critique. Je dois retourner. Something. And if this something doesn't happen et si here, ce quelque chose n'arrive pas, we are all lost. Nous sommes tous perdus. So he knew if someone of the human donc il savait que si quelqu'un de la race humaine didn't take that book, ne prenait pas ce livre pour en libérer les noms, que tout serait perdu. Be no hope of il n'y aurait pas d'espérance de retourner à notre état originel et à notre commission pour nous reproduire sur notre espèce, que l'alliance n'aurait aucun effet. The throne was thundering with judgment. Le trône retentissait de tonnerre et de jugement. And a strong angel with a loud et un ange puissant avec une voix forte. Vous voyez, c'était le jugement. Le tonnerre. A strong angel with a loud un ange fort avec une voix forte faisait appel aux proclamations de rédemption, mais Jean, vu que personne n'était digne, Abraham, lied. Abraham avait menti. Même Joseph a dit un petit mensonge blanc. Et Moïse a frappé le rocher deux all fois. Tous avaient péché et étaient venus à court one de la gloire. Get angry and call for et voilà pourquoi le prophète. Oui, le prophète qui était fâché que Dieu était venu tuer les enfants. Personne, aucun messager, aucun ministre, personne n'était digne. Nothing. Rien. John couldn't say, but Lord, I am the Genesis 1 man. John ne pouvait pas dire, mais Seigneur, je suis l'homme de Genèse 1. C'est vrai. But without the atonement, mais sans l'expiation, vous n'êtes rien. So John wept ainsi, bitterly. Jean pleurait amèrement, pensez-y. A vision of judgment, une vision du jugement with a call for redemption avec un appel à la proclamation de la rédemption. Quelqu'un pour réclamer la rédemption, il n'y avait personne en vue de digne. Then all of a répondre sudden, à l'appel. An announcement is made. Alors tout à coup, on entend une annonce. Weep not John. Ne pleure pas Jean. For the lion of the tribe of Judah, car le lion de la tribu de and Judas, the root of David, la racine de David, had prevailed to a prévalu take the book pour prendre le livre and loose the seals thereof. Ayant libéré les sceaux. And John saw a bleeding, et Jean bloody atonement a vu une expiation de sang avancée dans sa vision du jugement. Le prophète dit que l'agneau est entré dans la vision de Jean parce que la vision de Jean ne pouvait pas dépasser le fait que tous sont perdus. Donc, l'emphasized man. Donc, l'accent a été mis sur l'importance de cet agneau. Alors que Jean était en train de pleurer, la voix a dit, ne pleure pas Jean. Celui-ci a prévalu. L'agneau est entré dans la vision de Jean. Sister Jasmine is your father who gave me that one. He always used to talk about that. The prophet said the lamb walked into John's vision. Oui, ce que dit le prophète, c'est que l'agneau est entré dans la vision de Jean. Imaginez cela, cet homme a une vision et quelque chose entre dans la vision de cette personne. Il a pris le livre, il en a libéré les sceaux. Il a brisé les sceaux. Maintenant, tout cela, le fait de briser tous les sceaux est arrivé dans l'Apocalypse 5. Mais le ciel était encore dans l'appréhension parce que dans le premier saut, pas d'expiation. White horse rider. Second seal, no atonement. Deuxième saut, pas d'expiation. Troisième saut, pas d'expiation. Quatrième saut, no atonement. La mort, pas d'expiation. Pas d'expiation. Cinquième saut, Jews crying, how long, Lord? Les juifs qui crient, combien de temps, Seigneur? Ils appellent la vengeance. Sixth seal, sixième saut, judgment, tribulation, le jugement, la tribulation partout. Men running, rocks fall on us and mountains hide us. Les hommes qui amen crient que les rochers tombent sur eux. So, heaven now is apprehensive. Maintenant, le ciel est dans l'appréhension. Qu'est-ce qui then va arriver? The seventh seal breaks. Alors, le septième saut est brisé. And the seven spirits of God et les sept esprits de Dieu, du dos, du livre, comes on the inside. Vient à l'intérieur seal, sous le septième sceau et vient prendre les noms pour les dévoiler sur la terre. Alors le ciel devient complètement silencieux. Oh, hallelujah. Hallelujah.
Glory. Gloire à Dieu. They must not give away the secret. Ils ne doivent pas divulguer le secret. They are watching, waiting. Ils observent, ils attendent. For the finishing of the seventh seal. La fin du septième sceau. They see Christ as a mighty Ils voient Christ comme un ange puissant descendre sur la terre avec le livre ouvert de la rédemption, la section du sang du livre de la vie, et il le donne à son prophète. Il voit l'expiation de sang révélée comme la stature de l'homme parfait déversée dans son message de jugement. Parce que les deux premiers pôles du prophète, c'était le jugement sur l'Odyssée. Sortez du milieu d'elle, Babylone est tombée. Un avertissement pour sortir. Le prophète est un signe de jugement. Le tonnerre du jugement. Et maintenant, vient le sang de sept tonnerres. Un message pour relier les rachetés à cet âge de l'Église éternelle à la fin des sceaux. But because of the fullness of the atonement, it becomes a message of grace. Mais à cause de la plénitude de l'expiation, cela devient un message de grâce. La colombe conduisant l'aigle. Il le voit se dérouler en une révélation de Joseph Perfection, donnée en écho selon Apocalypse 10, 8 à 11 et Apocalypse 18, 4. Il voit tout cela, les sept tonnerres, les sept vertus, sept voix vécues, rassemblant l'épouse, lui montrant comment se préparer, la réveillant, lui donnant la foi pour la grâce de l'enlèvement. Alors, il voit la révélation venir dans un ministère éphésien, et ils savent que c'est le ministère de Jésus-Christ. Donc maintenant ils sont là, bouche bée, dans l'expectative, ça se rapproche. Ils attendent de voir la restauration des fils de Dieu. Ils attendent que l'espèce originelle revienne pour la reproduction par la parole parlée. Ils voient la note clé qui se déroule. Ils nous voient atteindre la marque là à Enugu en 2014. Ils savent que nous nous rapprochons. Ils voient les signes dans les cieux qui déclarent tout cela. Ils nous voient atteindre la brèche, le Diamond Hitch, Apocalypse 5. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils nous voient entrer dans le ministère de l'Esprit. Là où la parole et l'esprit viennent ensemble pour notre commission originelle. Ils nous voient identifier pleinement à Penharis 2016 la pierre, la clé de voûte. Alors, comme eux, cela nous frappe. Tout ceci est à cause de l'agneau sanglant, l'agneau immolé. Et une telle gratitude, une telle adoration de l'agneau roi éclate sur le ciel et la terre dans une véritable expérience du calvaire. Et alors que le silence est brisé dans le ciel, dans l'adoration, nous aussi, nous entrons dans l'adoration de l'agneau roi. Une adoration profonde du cœur à l'arbre du calvaire. Viens vers nous sous la forme de l'agneau sanglant d'Apocalypse 5. Voilà votre expérience du calvaire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Amen. We wash our garment in his blood. Nous lavons notre vêtement dans son sang. Adding each virtue. En ajoutant chaque vertu. Making our garments white. Rendant notre vêtement blanc. Made them white in the blood of grapes. Blanc. And we break into Revelation 19. Et nous arrivons dans Apocalypse 19. After Revelation 18:4. Après Apocalypse 18:4. You see all that. Voyons tout cela. Conduisant vers Apocalypse 18:4. And then they see us go et puis, through this process here. Arriver dans ce processus pour arriver dans Apocalypse 19 parce que nous avons été au calvaire dans Apocalypse 5. Alléluia. Glory. Gloire à Dieu.
We break into Revelation 19, as nous arrivons dans l'Apocalypse 19 alors que le ciel, le silence dans le ciel est brisé it, et les cris des saints de l'épouse s'élèvent. Les noces de l'agneau sont venues and his wife. Et sa femme, hey! Sa femme, alléluia, oh God. Gloire à Dieu. Et sa femme has been driven to Calvary a été conduite au calvaire and made herself ready et elle s'est préparée for the rapture. Pour l'enlèvement. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. With the blessing of Abraham. Avec la bénédiction d'Abraham. With the blessing of the everlasting covenant. Avec la bénédiction de l'alliance éternelle. Glory to God. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, give him a shout of praise. Oh, my. Donnez-lui you just keep worshiping. Continuez de l'adorer. Keep praising him. Continuez de le louer. Oh, blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Father, we praise you. Père, nous te louons. We worship you. Nous t'adorons. We glorify you, Father. Nous te glorifions, blessed, Père. Blessed. Béni. Blessing and honor. Béni. Bénédiction. Glory and power. Gloire. Be unto him. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory, praise God, amen. Oh, give him a shout. Donnez-lui un cri. Praise God, amen, amen, amen. My God, amen. My. Oh, worthy is the Lamb seated on the throne. Oh, seated on the throne. We crown you now with many crowns. We crown you now with many crowns. You reign victorious. You reign victorious. High and lifted up, oh, high and lifted up, Jesus, Son of God, oh, Jesus, Son of God, the treasure of heaven crucified, the treasure of heaven crucified, worthy is the Lamb, oh, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, sing it again, worthy is the Lamb. Oh, sing, worthy is, just lift your hands, close your eyes, seated on the throne, oh, seated on the throne, we crown you now with many crowns, we crown you now with many, you reign victorious, you reign victorious. Oh, high and lifted up, Jesus, Son of God, oh, Jesus, Son of God, the treasure of heaven crucified, the treasure of heaven crucified, worthy is the Lamb, oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. With all your heart, sing it one more time. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Seated on the throne. Oh, seated on the throne. We crown you now with many crowns. We crown you now with many. High and lifted up, oh, high.
treasure of heaven crucified, the treasure of heaven crucified. Oh, well, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, with all your heart, you feel the blood of God in the house. In the house.
upon 20 elders, cast them to the ground, sing Hosanna, worship him, bless his holy name. Oh, hallelujah. One more time with all your heart, we sing Hosanna, oh, and the highest, oh, let the King be lifted up, oh, 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 Hosanna. Blessed, blessed be the name of the Lord. Oh, I know it was the blood. Yes, I know it was the blood for me. Oh, well, one day I was lost. Jesus died upon the cross. And I know it was the blood. The blood, yes, I know it was the blood. Oh, I know it was the blood for me. Oh, yes, one day my Jesus died upon the cross. Yes, I know it was the blood for me. Oh, well, and he's coming back again. Yes, he's coming back again. Oh, he's coming back again for me. Oh, well, one day, oh, my Jesus died. Oh, yes, he's coming back, oh, for me. Oh, well, yes, I know. Do you know it? Oh, I know. Yes, Lord, I know. It was the blood of the Lord. Hallelujah. One day, Jesus died. Oh, well, I know. It was the blood. Somebody, I know it was the blood. Yes, I know. One day, oh, Jesus died upon the cross. Yes, I know it was the blood. Morning. Oh, man.
precious name. Song softly as we get ready to close. Oh, the blood of Jesus, we're singing. Oh, the blood of Jesus, oh my Lord. Oh, the blood of Jesus, oh. The blood this morning. Le sang de Jésus. I am thankful me lave, blanc comme neige. Je suis reconnaissant. Oh, I am thankful. Je suis reconnaissant pour le sang de Jésus. Couvert par le sang de Jésus.
par le sang de Jésus. Il lave blanc comme neige. I want you to testify this. I'm becoming the blood of Jesus. Témoignez de ceci. Je deviens le sang de Jésus. I am becoming the blood. Je deviens le sang de Jésus, car il m'a lavé blanc comme neige. Croyez-vous que vous devenez le sang? Branham a dit, l'Église est le sang de Christ par l'Esprit. Vous devenez le Saint-Esprit dans votre nature humaine. Vous êtes le Saint-Esprit dans votre âme. Vous devenez le sang. Et nous quittons ce monde avec le sang de Jésus. Je suis sans voix par rapport au message de ce matin. Only the language of tears could show appreciation. Je crois que seule la langue des larmes peut montrer l'appréciation pour le message de ce matin. Que Dieu te bénisse, frère Nanton. Amen. It was beyond a masterpiece. C'était au-delà d'un chef-d'œuvre. Amen. The bleeding lamb. L'agneau sanglant restaure votre commission originelle par l'ouverture de la parole. C'est ainsi que nous retournons en Éden par le sang. C'est ainsi que nous devenons notre espèce originelle, la voix. Amen. All I can say is God bless you. Tout ce que je peux dire, c'est encore une fois que Dieu te bénisse, frère Nanton. What an experience. Quelle expérience. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. Get ready to close. Just let's go in this atmosphere of the blood. Amen. We have one note of praise and one prayer request.